Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial SILA sous Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité concernant le pays d'Haïti, manifestation pour exiger départ Premier ministre Ariel Henry continue à intensifier dans divers coins dans le pays d'Haïti. Jeudi 29 janvier 2024, là, c'était dans le Cap Haïtien après le lancement. Parti politique Petite Dessalines te fin fait pour que Moïse Jean-Charles te mande population mette pied à terre pour exiger Premier ministre démissionner dans tête l'État. Eh bien, moun yo qui t'apprête à répondre dans deuxième ville pays qui c'est Cap Haïtien côté yon quantité moun te foule béton pour te exiger Premier ministre Ariel Henry démissionner dans tête l'État qui n'en poste ça depuis 2021 après assassinat Jovenel Moïse et selon un pile moun qui pas régler. Alors que yo te annoncé y a fait élection pour année 2023 selon accord 21 décembre ça qui pas arrivé fait et accord ça te avancé pour dire 7 février 2024 y a place là à qui un président qui élu à travers les élections Premier ministre qui pas arrivé organiser élection ça Jean ça te prévoit par accord 21 décembre non eh bien ça suffit pour que un pile monde leve voyo pour demander Premier ministre Ariel Henry et démissionner l'en tête pays d'Haïti après au Cap Moïse Jean-Charles fait qu'on est il a avancé pour rentrer dans capitale pays d'Haïti mais manifestation pas camper dans deuxième ville pays d'Haïti qui c'est Cap Haïtien et c'est pas seulement dans Cap Haïtien dans Okaï dans Tigouave dans Wanamet situation était compliquée dans un seul objectif objectif départ Premier ministre Ariel Henry dans tête pays d'Haïti toujours dans même dossier ça gagné chargé d'affaires américain dans ambassade américaine en Haïti Eric Stromayer qui mandé Premier ministre et pour le tête frette à travers déclaration li et bien en pile monde conclut pour dire c'est ça le dit le fait qu'on est c'est à travers les élections pour moun prend poste dans pays d'Haïti pendant le temps avancé pour le dire les États-Unis continuent à multiplier efforts pour que yo pote support avec pays d'Haïti dans affaires sécurité et force multinationale qui ta doué arriver dans pays d'Haïti les États-Unis encourager tout acteur tout pays qui gagne bonne volonté yo pour yo pote coller en urgence pour que force ça vienne combattre insécurité dans pays d'Haïti Eric Stromae qui dit problème sécurité a c'est plus gros problème nous gen là mesdames et messieurs en pile monde qualifié zaksa ingérence politique mesdames et messieurs de la part des États-Unis dans causé pays d'Haïti qui datait de longue date toujours dans même dossier ça gagné et artiste haïtien américain Wyclef Jean qui lui-même après elle te fin prend position publique pour te demander Premier ministre Ariel Henry démissionner dans tête l'État pour éviter li sorti comme un criminel de guerre dans GPEP haïtien et dans le monde entier eh bien li pral fait qu'on est li écrit président Joseph Robinette Biden Joe Biden pour que li mande yon rencontre sous dossier Ariel Henry eh bien artiste là qui t'a supposé rencontrer président américain Joe Biden dans Maison Blanche dans jou k'ap vin pour discuter sous dossier Ariel Henry qui est véritable problème dernier temps ça selon un pile monde sous et 7 février 2024 Cap Vina en pile monde quoi si Ariel Henry pas démissionné c'est pral un véritable guerre civile qui capable lever dans pays d'Haïti tellement gagné gros mouvement qu'a préparé pour fête Ariel Henry pas connaît qui ça pour le faire dans moment n'a pas lié là alors que et question force multinationale là li toujours dans l'impasse et Premier ministre toujours fait quoi puis gros et bien et défi li gagné l'a chercher lever là et il te promet ça dans année 2024 là depuis 1er janvier l'a commencé gérer question de sécurité dans pays d'Haïti en plus le monde quoi Ariel Henry continue à parler et là et bien qui te dit dans ça qui gain pour avec international là les États-Unis d'Amérique apparaît pour répondre à attaque qui fait sous 3 soldats américains dans Jordanie côté 3 soldats américains ça a perdu la vie et bien la Maison Blanche déjà prend note et au Paris là pour répondre avec attaque Silla qui fait dans Jordanie mesdames et messieurs toujours dans ça qui gain pour avec international là plusieurs
immigrants qui sorti dans Amérique centrale la marché à pied sous frontière Mexique là pour éviter insécurité qui gagnait sous et route si là qui t'a doué mener vers les États-Unis dans objectif pour aller chercher la vie. Plusieurs migrants t'ai parlé ça météo dehors, nous allons inviter au suivre point ça yo à divers points surtout dans international là sous la vie à l'autre côté. Puis les migrants qui sont dans l'Amérique centrale là marchent ensemble pour protéger les têtes contre l'insécurité qui gagne dans une série de zones au Mexique. Nous n'avons pas de travail, les entreprises sont fermées. Paola Silva, un autre immigrant hondurien, parle pour dire nous n'avons pas de travail dans le pays. Nous, entreprises ont fermé les portes, nous n'avons pas de l'autre choix que courir quitter le pays pour aller de l'autre côté. Si bon Dieu voulait, n'a privé ensemble à cause c'est ensemble nous t'ai démarré, n'a privé aux États-Unis ensemble dans nos grands maîtres là. Une porte d'entrée favori immigrants utilisé pour entrer aux États-Unis, c'est Piedras Negras côté mexicain avec Eagle Pass dans l'État Texas. Gouverneur Greg Abbott a installé une série de barrières flottantes avec fil barbelé dans la zone pour empêcher les immigrants de rentrer dans l'État sans document légal. Gouvernement fédéral a déclaré décision illégale et a demandé intervention Cour suprême États-Unis. Lundi 22 janvier, Pigou, instance judiciaire États-Unis, a demandé garde fédéral avec sécurité frontière pour retirer fil barbelé. Une demande qui est pas capable d'exécuter à cause du gouverneur Abbott couché en quoi contre lui. Plusieurs États dans la zone frontalière ont déployé garde nationale pour aider le gouverneur Abbott empêcher garde frontalière des États-Unis d'exécuter la décision de la Cour suprême. Pendant ce temps, le Congrès américain a lutté pour le d'accord sous mesure de réforme immigration. Gouverneur démocrate dans 9 États a ajouté voyou sous appel qu'a demandé pour gagner action qui prend dans ce sens-là. Dans le cas qu'a joué le président Joe Biden avec leader républicain démocratique dans le Congrès, gouverneur démocratique a demandé action définitive nécessaire pour supporter l'État qui a difficulté pour faire face à la quantité d'immigrants qui a débarqué la caillou dans le mois qui passé. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Maryland. Actualité à qu'on y a mené nous dans la région Moyen-Orient, côté guerre Israël-Hamas là, a continué pendant que gagnait 9 pays environ qui coupaient fonds pour réfugiés pays palestiniens dans l'ONU. Nous allons gagner des détails avec Gentil Augustin Junior. Pour pipiti, 9 pays qui gagnent là-dedans, gros donateur tant qu'aux États-Unis à Kalmaï, coupaient financement Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens. Après accusation Israël sous quelques employés liés, te soi-disant participé dans attaque mortelle à Masio sous peuple Israël là dans date 7 octobre là. The Secretary General is horrified. Secrétaire général là Gen La Perez ak nouvelle ça. Et li te mandé monsieur Lazarini pour le mener enquête sous affaire ça sans perdre de temps. Et puis assurer que n'importe employé agence là qui t'ai participé ou soit qui t'ai fait partie ça qui t'ai passé 7 octobre là ou soit n'importe l'autre activité criminelle doit suspendre immédiatement et puis référer lui pour potentielle poursuite criminelle. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres te promet dimanche 28 janvier ya pour le rendre compte n'importe employé Nations Unies qui impliqué dans acte terroriste. Bon côté parle ambassadeur Israël là dans l'ONU Gilad Erdan te déclaré every UN body has become tout organe Nations Unies yo tourne armes contre l'état juif là exploité comme un instrument pour aider dans l'élimination peuple moyen. Dans qui point ça symbolique? Dans qui point li symbolique dans journée internationale souvenir Holocaust là? Yo te révélé que employé agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens te participé dans massacre là. La Maison Blanche te réagi sous mesure que États-Unis prend pour suspendre agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens après escandale que employé liyo t'a participé dans la guerre Israël Hamas 7 octobre passé. Nous suspendons toute activité en dehors UNRWA, agence secours à travail Nations Unies. Au soir, qui peut recevoir l'agent en attendant résultat enquête ça. Li évident, nous pral continuer contrôler situation très près. Comme secrétaire Blinken te dit clairement, dans appel li bay secrétaire général là hier, nous
espérer ça, c'est une enquête complète, approfondie et transparente. Moun Gaza yo qui a vivre dans camp remplacement tout près camp Younis te dit couper financement c'est une catastrophe pour palestinien yo. Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens, c'est la vie nous. Qui est-ce qui pral ba nous manger à glo après la guerre? Porte-parole président palestinien Mahmoud Abbas te réagit après décision ça. This decision is décision ça pas correct et yo ta doit suspendre immédiatement. Nous mandé tout pays ça yo pour yo rembourser agence là parce que c'est un problème humanitaire. Li te prend dans mauvais moment et nous espérer que yo pral tourner bientôt pour comprendre que besoin moun yo dans Gaza à tout côté, c'est une nécessité pour continuer vivre sous terre ça. Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens t'est établi pour aider réfugiés qui sorti dans la guerre 1948 et puis li bay service, éducation, santé ak aide pour palestiniens dans Gaza, Cisjordanie, Jordanie, pays Syrie ak nan pays Liban. Di jodi lundi a, li pap kapab continuer opération li nan Gaza ak nan région an pi loin nan fin mois février a, si financement yo pa recommencer. Gentil Augustin Junior, Maryland pour VOA Creole. Merci, gentil, ou toujours sauvé au Acreol. On a suivi un programme dans langue créole haïtien. NION, nous voulons dire National Haitian American Elected Official Network, et qui c'est réseau national élu haïtiano-américain. Et bien, réalisé pendant le week-end, 15e sommet sous leadership dans Washington DC, avec présence plus passé 70 élus ou bien nommés, et avec plusieurs membres congrès américains. C'était moment tout pour président NION, Charnette Frédéric. Et bien, passé Maya Baye, il y a un nouveau président qui c'est vice-magistrat ville North Miami, Marie estimé plutôt Irvin. Entendez yon après l'autre, président sortant avec président nommé. Premièrement, moi dire merci Voix de l'Amérique avec Jacqueline Benizer qui était là avec nous, m'était fait appel avec la Voix de l'Amérique où t'es dit oui. Moi t'ai pensé, il était important pour nous les médias, pour nous les communautés, pour nous voir qui est nous en tant que une organisation. Eh bien, il était plus important toujours pour me passer bâton par l'autre président organisation ça. Eh bien, premièrement, nous travaillons pile. Moi dis merci avec Bekwet Community Committee, spécialement Claudette David qui était chair Bekwet Community ça année ça. En vendredi nous t'ayons lunch nous. Keynote speaker nous c'est US sénateur Marquise qui était là à cause de Macha Souchet Kakousan qui ont bonne relation. Là la parler, il comprend problème haïtien mais une bagarre nous dit nous connaît problème pas nous c'est pas dit blanc qui ça pour faire pour nous qui ça nous même pas dire pour faire pour communauté en advocacy. Jeudi nous t'ayons US sénateur Warhouse from Morales. Et bien sans ni jamais et ni va la fortune, ça peut la qu'à réaliser. Imaginez seulement deux membres, nous mettons sur nos US sénateurs ici dans l'event ça. Travail n'est pas fini parce que nous avons fait un bon panel. Comment pour nous avocat, ça veut dire comment pour nous faire contrôler, causer. Et nous allons continuer le travail pour nous voir comment pour nous capables arriver plus devant. Il y a une chose qui est plus importante, pas oublier de passer le panier là, avec Tchèlek là, mais ça nous est aujourd'hui, passer 70 ans nous avons fait photo ensemble. Ça veut dire pas seulement que nous existons, nous avons continué à mettre ensemble pour nous travailler pour une communauté qui a besoin d'un groupe de temps pour nous qui est vraiment fort dans notre nationale communauté. Bon, c'est avec un pile honneur et respect que moi prends responsabilité ça pour que moi ka voir communauté haïtienne nan aux États-Unis. Mais ça qui yon nan bagay que moi qui très touché que m'a également en voix ou bien NION a en voix pour influencer et policy pour Haïti, pour que nous ka faire une différence en Haïti. Donc c'était un programme qui était commencé dans jeudi avec un tour dans la Maison Blanche et après tu gagnes un programme encore dans vendredi et samedi tu gon gros gala avec
participation groupe Café Fureux qu'on y a en parlant de Zafem avec maestro Denier Seyid et chanteur et chanteur bien sûr et Kangé semblier Paul Al-Sadat qui c'est un comédien et très spécial là pour nous retourner encore sous cause ça parce qu'il y a plusieurs distinctions qui te baillent notamment député américain chez la chère Félix McCormick. Actualité concernant le pays d'Haïti, réaction incertitude après que tribunal pays Kenya prend décision bloquer déploiement force police dans le pays d'Haïti. Valérie Saint-Louis. Depuis que Pigou tribunal pays Kenya a pris décision bloquer déploiement force police là en Haïti que Nations Unies a appuyé pour aider combattre gang dans pays là dans date vendredi 26 janvier passé là, action ça a créé une incertitude dans mitan classe politique là en Haïti ou à l'étranger. Juge au tribunal pays Kenya, après discussion, t'es décidé que déploiement force là t'es considéré comme illégal parce que Conseil Sécurité Nationale pays Kenya pas gain autorité légale pour envoyer force police pays yo dans mission dans l'autre pays. Président Kenya William Ruto t'es dit que le pral fait appel contre décision ça, mais le pas clair combien de temps ça prend et li pas connaît tout si l'autre pays qui eux même t'es promet envoyer force police pa yo pour renforcer mission multinationale là a considéré aller en Haïti pour compte pa yo. Bon côté parle, porte-parole département d'État américain Matthew Miller, t'es sorti une note de presse pour le dire. Et n'a pas cité. États-Unis renouvelé Cipoli pour mission multinationale là pour support sécurité en Haïti. Les États-Unis prennent note de décision tribunal supérieur République Kenya concernant déploiement police Kenya pour supporter mission multinationale là pour support sécurité en Haïti avec intention gouvernement Kenya t'est déclaré pour contester décision ça. Fin de citation. Gouvernement haïtien te réagit tout dans une note pour la presse. N'a pas cité. Gouvernement pays Haïti remercie peuple Kenya avec président William Ruto parce que il a accepté prendre leadership mission multinationale pour support sécurité en Haïti MSS. Gouvernement a suivre Jean dossier ça évoluer dans pays Kenya et il était quoi que a gagné une évolution rapide et puis positif. Fin de citation. N'a pas rappelé que d'après rapport et statistiques Nations Unies fait quantité monde qui ont été tués année passée en 2023 en Haïti doublé pour arriver presque 4500 et puis quantité kidnapping selon rapport a été augmenté par plus passé 80% arrivé presque 2500 cas de kidnapping pour année 2023 ça. Pendant ce temps, police nationale Haïti a perdu officiers policiers avec un pourcentage alarmant. D'après un rapport Nations Unies publié semaine ça, plus passé 1600 policiers étaient quittés département police PNH l'année passée. Il a été rapporté que 48 autres étaient morts. Pendant que policiers qui ont même toujours été au service la police là a continué faire face à menaces et à risque puis ont mouru dans goumen contre gang dans pays là. Pourtant, en pile haïtien dans le pays, il n'y a pas d'accord ou soit des doutes sur la capacité des Nations Unies, ensemble avec le déploiement de troupes étrangères, pour résoudre le problème gang que Haïti a fait face avec lui. Et si Kenya n'a pas d'accord avec les soldats ici, et la police nationale nous gagne, et l'armée nous gagne, et les sacs nous gagne, nous gagne des gens qui pourraient le pays, seulement c'est son disposition du mouvement. Moi, je ne parle pas étranger qui a des solutions en Haïti. Au contraire, c'est un géant étranger qui met des côtés de nous. Si pas de géant étranger, ça va passer en Haïti. Je dis, moi, c'est le pays qui a fait pas en avant. Tout le pays, regardez le pays qui a fait. Je dis à la CAP, qui t'a considéré comme des pays qui a récupéré la dignité, c'est le monde qui a fait. C'est nous, les Haïtiens, qui vont entendre nous, les Haïtiens, qui vont dégager nous. Et ça va faire entendre nous. Parmi l'autre pays qui ont même été planifiés pour voir les forces police par eux en Haïti, il y a un pays Bahamas, pays Jamaïque, pays Belize, pays Burundi, pays Tchad et pays Sénégal. Mais en attendant, déploiement mission multinationale pour support sécurité en Haïti à MSS, rete campé pour le moment. Pour VOA Creole. Valérie Saint-Louis, depuis New York. Et puis toujours sous même dossier ça, il y a un certain leader politique haïtien dans la société civile là qui a une opinion dépamment après annonce des États-Unis et fait pour dire que la continuer soutenir mission multinationale là malgré la justice Kenya interdit policiers débarquer dans pays d'Haïti. Nous gain sous place dans Port-au-Prince ou dans Toussaint. Normalement, gouvernement président kenyan William Ruto fait appel concernant la décision la justice payante qui interdit policiers kenyans participer dans la mission multinationale soutien à sécurité en Haïti et puis réitérer soutien les États-Unis d'Amérique par rapport à démarche ça. Président Conseil national, société civile haïtienne, Joseph Domingue Ojela, plaidé en faveur support administration Biden
pour combattre gang armé dans le pays d'Haïti. Si les Américains voulaient aider les pays, c'est tout bon vrai. 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, ils ont fait pour ça. Investir en forme de sécurité, entraîner pour nous. Avec pas besoin de nous, s'il veut aider nous là. Il a besoin de faire déclaration sur ça. Si Américain voulait aider les Haïtiens, qu'il aide le premier, et dans 3-4 semaines, tout le problème résolu ici, il suffit que les Américains veulent le faire. Donc, on parle ancien député Serge Jean-Louis, qui est leader Force Nationale pour Démocratie, FND, croit que c'est plus moyen la police avec l'armée d'Haïti besoin pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. L'Amérique, c'est ça pour nous faire. C'est boulot ça pour nous faire. Pour nous bailler comme si, ici, de tous côtés, nous liés. C'est pour nous demander pour la police nationale, pour renforcer la police nationale, pour mettre moyens économiques, mettre moyens économiques appropriés pour vous. Vous comprenez ça, force armée d'Haïti, hein. Qui là, il va faire rien. Il va toucher chaque mois. Il va toucher chaque mois, il va faire rien. Mais vous, le problème, c'est qu'il y a en Haïti. Et puis, ces soldats, l'autre côté, nous décidons pour nous prendre une avenir. Nous allons voir ça nous-mêmes. Donc, clair sur ça, sur position, pardon. Donc, une position qui est adaptée à la nouvelle réalité, ça, c'est clair. N'insistez sur ça. Bah, la police nationale, là, les moyens logistiques, techniques, économiques, financiers appropriés. Et puis, force armée d'Haïti, gouvernement Zamdoula, mettez au travail, bah, au l'ordre établi, au recommandement responsable, dans la, que ce soit dans la police, là, que ce soit dans l'armée. Samedi 27 janvier 2024, passé, hein, les États-Unis d'Amérique, tu fais connaître que libre acte par rapport à décision pays Kenya adoptée suite à justice pays qui interdit mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et puis, pendant ce temps, il y a 3 journées de grève sur Haïti, sur Port-au-Prince, ou bien tout pays. Première journée, c'est jeudi. Pendant ce temps, il y a un gouvernement lui-même qui dit pour que la population capable de continuer et vaquer à l'occupation. Nous allons rejoindre Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. 3 journées de grève qui lancée dans Port-au-Prince sur l'initiative Brigade syndicale anti-corruption, semblée par ébranler le gouvernement haïtien qui mandait population pour vaquer à l'occupation. N'a rappelé objectif grève ça c'est pour dire non à phénomène insécurité et puis réclamer démission premier ministre Ariel Henry face à menace gang armé qui continue à semer panique dans pays non pas doit prendre décision dans tête chaud non pas qu'à reprendre même manœuvre passé yo ça qui contribue à aggraver situation pays et c'est ça gouvernement écrit dans une note pour la presse. De l'autre côté, le gouvernement dit la suivre évolution dossier déploiement policier Kenya dans le pays d'Haïti. Il remercie différents pays qui annoncent support pour rétablissement de l'ordre et sécurité dans le pays. Plus loin, le gouvernement demande différents secteurs pour mettre tête ensemble, ce qui est capable de faciliter dans le cadre de transition une gouvernance collective et inclusive et puis organisation élection générale dans un meilleur délai dans le pays. Enfin, dans notre ça, le gouvernement invite les peuples haïtiens pour garder de calme, qu'on renforce l'ordre constitutionnel. La population doit veiller pour ne pas prendre un piège avec intimidation. Bon côté, si la yo qui a fait campagne de désinformation avec menace violence, selon sa gouvernement, dit dans notre si la. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et puis, qu'on y a la prochaine, Massado Vilme, sous actualité à Port-au-Prince, toujours avec question grève. Pour qui a dit un mot pour payer? Dégage, parce que m'a souffri. Quelques marchands et chauffeurs moto qui d'accord parler dans le micro et devant la caméra, disent d'accord pour le premier ministre Ariel Henry qui était payé le 7 février qui est venu là. Selon citoyens et citoyennes, le chef gouvernement n'a pas fait rien pour résoudre la crise et la sécurité. Je pour ça que vous pour Ariel Henry, pas qu'il n'y ait pas pour Ariel Henry. Pour Ariel Henry, libérer le pays, le pays, ça ne va pas vivre encore. Ça va gagner, couper tête, bouler caille. Son tête ensemble qui peut gagner, mettre bagaille là-dedans. Alors, comme c'est pour nous, c'est lui-même qui peut nos ministres, qui peut nos tout bagaille président. Nous obligé de dire ça, mais pas de monde qui te reconnaît. Mais c'est qui est-ce qui t'a le voté? Même pas dans le trompe, même pas dans le voté, même pas dans le pouvoir. Moi-même, nous devons aller après-midi. 7 février, quel que soit nous préparer, pour lui, quel que soit pas préparer, faut qu'il y ait le bon territoire. Quand même, passer, bon, tu pas capable de résister là avec. J'en ai, système compris ça. On va une fois qu'il y ait le bon terre, quel que soit le ou la façon. Allez, pour y aller, il y a quelqu'un qui bloque le pays là. Dans l'autre monde.
nous t'a dit un tel pas bon ouais Ariel là ça va gien pareil 7 février pas douce il va laisser Kembe pour pas aller mais il pas douce pour lui parce que s'il va éviter aller à bomber descendre en veille parce que bon groupe nèg azam dans pays à tout qui décider goumer en face Ariel. Quelque l'autre même quoi, 7 février doit une journée de dialogue pour mener pays à sous route élection. 7 février n'a symbolisé dialogue parce que c'était dans tête ensemble nous avons découvert la démocratie, nous avons joué chemin liberté, chemin dialogue. Et ça fait nous dire Pierre Ariel Henry, mettez plus chaises, mettez plus chaises, plus stable. C'est dialogue élection tête ensemble qui a bien. Pas bien, 7 février son date à coup de date. C'est dans la sécurité, c'est dans l'élection, c'est dans le dialogue. Nous même la chaîne nationale, nous avons celle décision Ariel Henry. C'est sécurité de besoin, mais Ariel Henry. C'est élection de besoin. Ça veut dire transition pas mouté sous transition. Là, nous disons 7 février. 7 février, c'est un jour même, j'ai toujours lieu. 7 février, c'est un jour de dialogue pour nous connaître qui j'ai apprécié Haïti dans sa lia. C'est un jour pour nous penser, pour nous dire à payer Ariel Henry, en faire tout le moyen possible pour nous escaguer sécurité, élection que vous faites pour payer Haïti dans sa lia. Cependant, coup de balle passé sponsorisé dans le groupe civil armé, cap trop qui connu pour territoire. Dans la région métropolitaine. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Mathieu Adovilme pour VOA Créole. Et bien, comme on dit aujourd'hui, 29 janvier, c'est une journée grève. Et bien, il y a plusieurs communes qui sont paralysées dans le département nord-est, là, dans le cadre de gros mouvement levé, campé qui gagne dans le pays, dans le jour qui se passe là. Plus de détails avec correspondant nous, Jodley Junior Saint-Ville. Gros vent panique a soufflé sous département nord-est là depuis hier dimanche là nan aswe pour arriver matin le 29 janvier 2024 là. Dans commune Tankou, Trou du Nord, Terrier Rouge, Fort Liberty ak Wanamet, activité au ralenti. Caoutchouc kap boulé, barricade ki dressé, empêché circulation moun ak véhicule, qui donc transport public là paralysé. Dans ville Fort Liberty, pour toute l'école y aurait été fermée. Bureau l'État, la banque pas fonctionné. Route nationale numéro 6 là, dans zone Terrier Rouge, ak Malfetti bloqué. Employé Kodevio nan Wanamet, pas ka al travail, à cause en pile balle, bouteille accroche, kap tiré presque dans toute direction, dans zone Ambagaya, cité de la lumière. Plusieurs agents brigade sécurité et à protéger. BESAP a circulé à gros âme nan main. Protestataires yo sous dépôt rivière Canaria qui n'a entré ville Wanamet là. D'après protestataires yo, mouvement levé campé ça a commencé dans ville Wanamet, département nord-est, ça gagne environ 2 semaines. C'est dans l'idée pour poter coller ak lancement révolution ancien commandant sénateur élu Grandeslan Guy Philippe annoncé à Jodley Junior Saint-Ville depuis Wanamet pour VOA Créole. Et puis, quand nous allons parler de formation journaliste dans Miami, nous allons gagner des détails avec Jean-Marc Hervé Abelard. Sauti 25 pour 26 janvier 2024 là. Un groupe journaliste correspondant service créole La Voix de l'Amérique qui sorti Haïti participer dans un atelier formation sur journaliste digital, nouveau audience, technique montage vidéo et parler de technologie intelligence artificielle là et AI. Séance formation ça qui était déroulé dans la cour Miami pour permettre journalistes participants yo vinn plus performant dans travail yo. Quel journaliste qui t'a information si là, t'es parlé pour dire qui j'ai information ça pour l'utile. C'est une formation qui est faite à l'initiative de la Voix de l'Amérique. Nous connaissons que VOA les responsables toujours care pour employer yo en termes de formation. Donc formation continue et nous croyons que en plus de formation ça, nous sommes pour un show qui j'aime qu'à pratiquer hein, et métier journaliste là. Et que ce soit les n'a fait interview, les n'a fait reportage, les n'a fait editing. Donc c'est une formation justement donc qui permet nous les gens sur là et exercer pour échanger puis bien et même connaissance nous gagner hein, partager avec d'autres confrères dans perspective pour nous rendre corporation beaucoup plus professionnelle. Il y a 2 jours de formation qui était vraiment très enrichissant puisque était gagné la dernière et comment technique journalistique pour aux journalistes qui a travaillé sous terre en Haïti et puis tu gagné tout et meilleure façon qui est capable faire un montage professionnel et puis tu gagné directrice nous sera lui-même tout qui est venu avec des applications qui vraiment avancées pour être capable permettre nous mieux faire travail là. Il y a un pile bagage que nous apprendre nous même en tant que journaliste
non pas te connaît et que jodi a grâce à formation ça nous connaît par exemple gagne en pile erreur que nous connait fait dans montage nous yo gagne différence entre un journaliste cap édité en vidéo et avec un l'autre monde cap édité en vidéo et pour la fantaisie différence ça li important pour que nous te connait li parce que nous même c'était plus de l'information n'a pas information bon gens pour nous bail information bon gens pour arriver sur nous donc parce que son formation qui voilà c'était formation ça qui était faite dans Miami Floride et Sandra dit était content ouais confrère nous dit Sandra bon retour c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir merci pour attention nous merci pour fidélité nous donc n'a pas casser rendez-vous pour demain pour l'autre rendez-vous info moi c'est Jacques Belizère bonsoir.